à travers des souvenirs, des moments tragicomiques de la vie quotidienne, et Noga Al-Balakh dresse le portrait d'un homme courageux, noble, timide, vraiment un monsieur très 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 touchant. Nathalie, bonjour. Bonjour Cathy. Voilà, on est ravis de vous accueillir ce matin parce que vous allez nous faire un petit peu respirer parce que les nouvelles sont un petit peu anxiogènes, comme vous le savez. On est quand même à Soukhot, donc on a envie de s'évader un peu. Les gens ont peut-être un peu plus de temps qu'à la normale, surtout ceux qui ne travaillent pas contraints et forcés par le confinement. Donc forcément, on a le temps de lire. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ce matin, Nathalie? Alors, je vous propose un livre qui m'a profondément touchée. C'est celui-ci, Le vieil homme des adieux, de Noga Al-Balakh, qui a été traduit de l'hébreu par Rosie Pignas Delpech, paru aux éditions Dôle le 25 août 2020. Il faut savoir que la traduction de ce livre a bénéficié du soutien du Centre national du livre à Paris. Le titre original, c'est Haïch Hazaken Preda. Alors, avant de rentrer dans ce livre, je veux vous dire qu'il fait partie de la rentrée littéraire. Il n'est pas dans les différentes sélections de prix prestigieux qui nous attendent, dont les résultats nous attendent bientôt. Je fais juste une petite parenthèse. Eshkol Nevo, lui, pour la dernière interview, est dans la première et la deuxième sélection des romans étrangers prix Femina. Mais moi, aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter ce livre-ci parce qu'il m'a immensément touchée. Alors, qui est l'auteur? Noga Al-Balakh a 49 ans. Elle est née à Petah Tikva. Elle vit à Tel Aviv où elle dirige la maison d'édition à Kibboutz HaMeouchad. Et elle a reçu pour ce prix plusieurs récompenses, pour ce livre, pardon, plusieurs récompenses, dont le prestigieux prix Brenner, qui est décerné par l'Association des écrivains hébraïques en Israël. Alors, le sujet du livre. À 90 ans, Shlomo souffre d'une maladie dont on devine, même si elle n'est jamais nommée, que c'est la maladie d'Alzheimer. Et sa fille unique fait de son mieux pour rester proche de lui à travers cette épreuve. Alors, ce récit est écrit à la troisième personne du singulier, mais on se doute bien qu'il est indubitablement autobiographique. Alors, l'auteur recueille ce qui reste du vieil homme, qui se souvient d'avoir été ouvrier en bâtiment quand il était jeune, mais qui a totalement oublié qu'il a exercé le métier d'avocat pendant un demi-siècle. On découvre aussi, à la faveur de la maladie, qu'il peut s'exprimer en allemand. Alors, il est hospitalisé, il est convaincu d'être embauché, ce qui donne lieu à un dialogue aussi poignant que cocasse. Beaucoup d'autres propos de Shlomo suscitent la sympathie du lecteur pour lui et pour sa fille, qui nous apprend au passage, et c'est assez peu courant, avoir renoncé à un métier dans la finance pour se lancer dans les lettres, ce qui mérite d'être salué et qui touche évidemment la libraire que je suis. Alors, Shlomo est né en Bulgarie, il est arrivé en Israël sans parler un mot d'hébreu. Et voici le portrait que dresse la fille du père, un ancien membre du Parti communiste, un avocat incapable de faire des affaires, un homme si étranger à la notion de richesse. Alors, à travers des souvenirs, des moments tragicomiques de la vie quotidienne, et Noga Al-Balakh dresse le portrait d'un homme courageux, noble, timide, vraiment un monsieur très 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 touchant. Et ce livre, il a une portée universelle. Il devient l'histoire de chaque homme, de chaque parent, de chaque famille. Alors, la construction du livre est très particulière. Il est constitué de 113 brefs ou très brefs textes. Un seul seulement excède une page. Et des textes qui sont comme des flèches. Chacun doit toucher, chacun vise au cœur, pour reprendre les propos de Mathieu Lindon dans Libération, qui a consacré à ce livre un très très bel article que j'ai lu avec grand plaisir et je partage complètement son point de vue. Alors, du côté des libraires, c'est même coup de cœur que ceux de votre librairie Vice Versa à Jérusalem.
Donc les libraires sont aussi fans de ce livre. Alors nous, ça nous plaît parce que forcément, un livre écrit en hébreu, traduit en français, c'est pile poil dans notre cœur de cible. C'est exactement ce qu'on veut faire, essayer de faire connaître, de se faire, enfin, faire connaître aux gens qui nous écoutent les différentes cultures. Et c'est aussi un moyen de se plonger dans l'esprit israélien avec ce livre. Absolument. Et ça me fait très 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 plaisir. C'est pour ça que je suis allée faire mon petit tour de libraire, de voir qu'il y a plein de libraires en dehors d'Israël qui apprécient énormément la littérature israélienne. Par exemple, la librairie Les Traversées à Paris, sur la table des nouveautés, sur la table des mises en avant, il y a Le Vieil Homme des Adieux en bonne place, à côté de qui, je vous le demande, à côté de Incident au fond de la galaxie d'Edgar Keret, que j'ai déjà eu l'occasion de présenter dans cette émission. Ça fait vraiment très 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 plaisir. Et pas qu'en France. À la une de Philibert, c'est le magazine de la librairie Filigrane à Bruxelles, c'est une librairie, une immense librairie très connue, à la une de son petit magazine, texte d'une grande sensibilité évoquant la vie, l'histoire, la maladie, l'amour, la famille, mais au-delà de tout, l'optimisme. Donc ça fait hyper plaisir de voir que la littérature israélienne est à ce point appréciée dans l'espace francophone, puisqu'on n'était pas qu'en France. Et je voudrais, pour terminer, vous lire le point de vue de mon confrère de la librairie L'Intranquille à Besançon, parce que c'est un point de vue que je partage complètement. À mi-chemin entre le conte et le recueil de poèmes, Le Vieil Homme des Adieux nous livre les pensées d'une femme qui accompagne son père dans les dernières semaines de sa vie. On y lit l'impact de la maladie sur le vieil homme, le désœuvrement de la famille et aussi le passé du vieil homme. C'est une vie riche d'humilité, de timidité et de bonté qui se dessine en filigrane. C'est un texte plein d'amour et d'humanité, une voix pour les timides qui ont une part importante dans le texte. C'est aussi et surtout une ode à l'optimisme dans des temps où cette notion semble désuète. C'est un texte subtil, pudique et doté d'un bel humour doux amer. Ça nous va parfaitement, Nathalie, en ce moment. Malgré une thématique aussi lourde que la maladie et le deuil, Noga Al-Balar nous livre surtout un texte lumineux qu'on a envie de picorer et de garder près de soi, un texte très touchant qui mérite d'être découvert. Alors là, je m'associe complètement parce que j'ai été complètement... débordée, envahie par ce livre qui est de toute beauté et que je recommande fortement. Voilà, bon, si vous êtes un petit peu déprimé, si vous êtes à l'isolement ou si vous êtes tout simplement respectueux du confinement, eh bien, précipitez-vous sur ce livre, ça va vous donner apparemment de bonnes ondes, une envie de voir les choses du bon côté, apparemment, une dose d'optimisme dont nous avons tous besoin, évidemment. Nathalie Hirschsprung, merci beaucoup pour ce coup de cœur de ce matin. Avec grand plaisir. À bientôt. À la semaine prochaine. À bientôt. Ciao. Au revoir.